Arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. Les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. C'est toute la différence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Oui, vous l'avez vu, normalement, je devais les directs devaient reprendre sur cette chaîne la semaine dernière, sauf qu'il y a eu vraiment des gros bouleversements la semaine dernière au niveau de ma vie privée. Donc, j'ai eu besoin d'une semaine supplémentaire. Et ça y est, c'est bon, on est reparti, là, on redémarre. Donc, pendant tout ce qui est la période estivale, il y aura le direct du mardi avec Maximus et puis le journal ou le samedi soir. Et puis après, à la rentrée, on verra pour reprendre certainement un direct aussi le jeudi soir. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Maximus, tu as choisi déjà. Bonjour, pardon. Salutations à tout le monde et salutations aux camarades du chat que je vois. Comment allez-vous? Et comment vas-tu, Lou ? Ça va. Bah là, je suis en Provence. J'ai repris la route là depuis 2 jours. Donc je passe le coucou aussi à Gary que je suis passé voir. C'est le technicien de la web radio. Et puis un bonjour à Pina aussi que je suis parti voir du côté d'Aix-en-Provence. Et 68 ans il y a 2 jours, Pina. Donc joyeux anniversaire une fois encore. Et ce soir je pars voir Renaud. Donc là en ce moment, ouais, je rencontre pas mal de monde, c'est cool et ça se passe super bien à chaque fois et de toute façon là je crois que je vais être sur les routes pour un bon moment, voilà, parce que comme je vous le disais il y a eu quelques bouleversements dans ma vie récemment et puis voilà, je vais devoir adopter ce mode de vie pendant un petit temps là. Maximus, tu as choisi aujourd'hui un ouvrage de Virgile Georgiou, alors je sais pas si je prononce bien le nom et cet ouvrage c'est La vie de Mahomet. Alors, le terme de Mahomet, c'est pareil, on pourra en discuter, mais ma première question, ce sera déjà, pourquoi tu as choisi cet ouvrage ? J'ai choisi cet ouvrage parce que d'abord, il est bien écrit, il est bien rédigé. Quand on l'ouvre et quand on le lit, on prend une bouffée de sable du désert et on est vraiment dans l'ambiance du désert. Et j'ai trouvé que ce livre avait une belle écriture. Alors, c'est pas un livre pour faire de la polémique islam, pas islam, chrétien, pas chrétien. C'est simplement un livre qui, d'abord, qui est bien rédigé, dans un premier temps, comme je le disais, et surtout parce que je pense que on est à une croisée des chemins où il y a des personnes politiques qui essayent d'attiser dans un contexte extrêmement chaotique, des tensions entre les communautés et les religions. Or, on est dans une guerre de religions, hein, même si le monde mondial ne s'intitule pas comme religieux, en réalité, il l'est. Et je crois que ce livre, non seulement il est intéressant, je dirais dans un premier temps, je pense peut-être pour des non-musulmans, dans un premier temps, et je crois que les musulmans aussi peuvent le lire, parce qu'il est, absolument comment dire, intéressant. Et il est assez bien rédigé et vous allez voir, on lira quelques passages de la vie de Mahomet, puis on comprend aussi le contexte du désert et de ces villes arabes dans lesquelles le climat rude fait des hommes rudes aussi. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai
Moi, j'ai aimé ce livre. Il m'a beaucoup fait voyager. Moi qui ne connais pas l'Orient, j'ai voyagé, je me voyais avec les caravaniers, avec les bédouins. J'imaginais, j'avais aucun mal à imaginer en fait tout cet esprit du désert, toutes ces routes du commerce, tout comment dire, toute l'activité, tout ce qui peut exister dans le désert. Et c'est vraiment un livre qui m'a permis de me projeter. Et se projeter, c'est aussi entrer en dialogue avec l'autre. Et quoi qu'on en dise, même si on est pour qu'une France redevienne chrétienne, moi le premier, ça n'exclut pas d'aller à la rencontre de l'autre. Et l'autre, c'est aussi notre frère musulman ou nos sœurs musulmanes, et on va à leur rencontre. Et je crois que quand on se connaît, d'abord, on défend nettement mieux ses convictions, et en plus, eh ben, on est beaucoup plus respectueux aussi des différences que l'on peut avoir les uns et les autres. Donc évidemment, moi, je t'avais demandé de mettre l'édition du Rocher, mais il existe dans diverses éditions. Alors j'ai vérifié en fait, c'est la même version à chaque fois en fonction des éditions. Là à l'écran, je vais mettre l'édition du Rocher, mais sur le visuel, j'avais choisi une autre édition, tout simplement parce que je trouvais le visuel beaucoup plus beau, c'est tout. Ah d'accord, ok, bon, mais on pourra mettre les deux. Je vais quand même présenter Virgil Giorgio, quand même, parce que qui est-il? À la base, c'est un écrivain, mais c'est aussi un prêtre orthodoxe d'origine roumaine et qui a écrit énormément de livres. Bon, il est plutôt très prolixe. Il a écrit énormément de livres. C'est quelqu'un qui a fait des études militaires et je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup fui aussi le système communiste, le bloc de l'Est. Et il a écrit un livre assez célèbre que j'ai pas lu d'ailleurs, qui s'appelle La 25e heure. J'en ai souvent entendu parler, mais je ne l'ai jamais lu. Et donc, Virgile Giorgio a été bien sûr calomnié, il a subi des cabales, bon bref, mais ça l'a pas empêché d'avoir une très très grosse... Très très grosse production. D'ailleurs, je crois la 25e heure, me semble-t-il, a été portée au cinéma par Henri Verneuil avec Anthony Quinn. Et voilà. Et donc, il meurt évidemment, Giorgio, en 92 à Paris. D'ailleurs, il est même enterré au cimetière de Passy. Voilà, pour brosser le portrait de l'écrivain Virgile Giorgio. Je ne vais pas entrer en plus de détails que ça, mais l'introduction du livre, c'est ceux qui cherchent Dieu comprennent tout. Voilà. Donc nous sommes avec les musulmans et les chrétiens en recherche de Dieu et peut-être certainement, je pense, des juifs qui n'ont pas été happés par la kabbale et le nouvel ordre mondial. Et je crois qu'il est intéressant, plus que jamais justement, de réinstaurer un vrai dialogue entre gens qui veulent préserver ce qu'il y a à préserver sur cette terre, sur cette création, plutôt que de poursuivre le projet complètement fou et cynique et meurtrier, génocidaire, justement de la cabale qui nie justement les réalités géographiques entre les uns et les autres et qui monte les peuples, dans un premier temps, les uns contre les autres, pour ne pas à ce qu'on ait à désigner l'ennemi principal qui est évidemment l'ennemi cabale, la cabale. Alors Maximus, j'ai déjà une première question pour toi. Alors je m'en doutais, je savais que ça allait arriver très très vite dans le clavardier. On me dit, veuillez s'il vous plaît écrire Mohamed au lieu de Mahomet. En effet, dire Mahomet est une insulte, merci. Alors déjà, le titre de l'ouvrage, c'est La vie de Mahomet. Donc pour respecter tout simplement le titre de l'ouvrage, bah, j'ai mis le titre de l'ouvrage, mais je sais que certains musulmans sont froissés par le fait qu'on puisse dire Mahomet au lieu de Mohamed. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, c'est quoi cette variante qu'il y a entre les deux et puis pourquoi la plupart des musulmans préfèrent qu'on dise Mohamed, Maximus? Parce que il préfère, parce que c'est ma, c'est ma, c'est une négation en fait. C'est comme s'il n'était pas loué. Mais nous sommes. Il n'y a pas de comment dire de contextualisation et d'orthographe ou de sémantique arabe. Quand on dit Mahomet, c'est francisé, c'est simplement ça. Donc on va pas rentrer dans un détail, il faut pas dire Mahomet, etc. D'abord, on n'est pas, je répète quand même qu'on n'est pas en terre d'islam. Donc nous dirons Mahomet, et si cela déplaît à certains, tant pis pour eux. Et Mohammed, c'est celui qui est loué, d'accord? Mais ça fonctionne en terre d'islam. Voilà.
Donc je sais que ça froisse les uns et les autres, mais effectivement, l'intitulé du livre s'appelle La vie de Mahomet, tout simplement. Donc je ne crois pas qu'il y ait quelconque injure. Ça ne sert à rien de tomber dans l'orthodoxie et dans le puritanisme islamique. Sinon, si on véritablement on se sent musulman, puritain et orthodoxe, je pense qu'il ne faut pas rester en République française parce que la République est l'ennemi de toutes les religions et ça inclut évidemment l'islam. Donc il faut être cohérent. Si on accepte de vivre en terre non islamique, eh bien, il faut accepter aussi que la langue et la phonétique changent lorsqu'on parle du prophète, voilà, tout simplement. Sans faire Ouais, moi après de critique ou de comment dire, de préjugés dépréciatifs. C'est vrai que moi j'ai toujours dit soit le prophète de l'islam, soit Mohamed, mais c'est vrai que ce terme de Mahomet aussi, il a émergé à partir d'un moment là. Et ouais, j'ai compris que pour certains c'était une inversion et que bah, voilà quelque part une forme d'insulte. Mais bon, là aujourd'hui, il faudra pas le prendre comme ça parce que ce n'est absolument pas l'intention. Bah vas-y, Maximus, bah je Et ouais, d'ailleurs, vas-y. je recommande quand même, malgré cela, à nos camarades musulmans, s'ils veulent l'acquérir et le lire, je ne peux que les encourager, car ils en tireraient probablement un grand profit, parce que c'est quand même un livre assez riche, avec une belle écriture. D'ailleurs, ils retrouveraient énormément de personnages que eux connaissent, qui sont dans leur tradition. Et il y a une dimension assez historique dans tout ça, donc. Moi, je pense qu'on va pas, comment dire, pinailler sur, on va dire Mohammed, ou on va dire Mahomet. Nous, on dira Mahomet parce que c'est le titre du livre. Et puis c'est tout, et ça s'arrêtera là. Et on va continuer, on va poursuivre, et on va voir d'ailleurs que dans ce livre, il y a quand même des passages intéressants. Est-ce qu'on peut comparer ce livre à la Sunna? Quelque Non, part, non, non? c'est pas la Sunna, c'est la Sira. C'est la Sira du prophète. La Sira, c'est la biographie de Mahomet, officielle. D'ailleurs, c'est Ibn Ishaq, d'ailleurs, qui l'a écrite. Et puis, il y a une autre Sira qui est écrite par, je sais plus d'ailleurs, je l'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque, je l'ai même pas lu d'ailleurs. C'est très gros, c'est très volumineux, c'est en 2 tomes. C'est la biographie officielle du prophète. Et ça, c'est quand même un peu différent parce que je pense que Giorgio insiste beaucoup plus en fait sur la sociologie du désert et en même temps l'aspect géographique et climatique. Je crois qu'il met beaucoup plus l'aspect là-dessus. C'est pour ça que quand on lit ce livre, on a un peu l'impression que le vent chaud souffle sur nous et que. Quelque part, on sentirait presque le sable. Et lui, il n'a pas la même approche. Je pense qu'il a plus l'approche de quelqu'un qui a parcouru le désert et qui est immergé dans cette ambiance très particulière. Mais ça n'a rien à voir avec la Sira du prophète. Enfin, pour moi, c'est différent. J'ai lu la Sira du prophète, d'Ibn Ishaq, c'est différent. Je vois des messages hein, dans le clavardier. Ça va pas être le thème d'aujourd'hui. Hein. Je vois des messages. J'ai vu d'ailleurs pendant que j'étais parti une semaine là, j'ai bien vu plein de messages gentils. Énormément, j'ai vu énormément de messages gentils. J'ai vu aussi quelques messages pas sympathiques bah, sur le fait que bah, j'avais pris une semaine de recul en plus. J'avais besoin, franchement, j'avais besoin. Donc, il y en a même un qui a réussi à se faire shoshanaïser pendant mes vacances. Donc, lui, à mon avis, il a dû y aller fort. Et donc, je vois un message qui dit, c'est une fausse religion. Ce sera pas le thème aujourd'hui. Le thème aujourd'hui, comme vous l'a dit Maximus, ça va être plus une sociologie de la vie du désert. Oui, puis Quoi? c'est une ambiance aussi le désert, et c'est un petit peu pour ça que j'essaie de vous faire partager ce livre, parce que nous sommes dans un contexte justement assez chaud, justement, sur le plan des températures, et je me disais que pour les gens qui sont en vacances et qui cherchent un livre un petit peu pour vivre un peu cette ambiance du désert, bah c'est excellent, parce que non seulement le livre apporte cette dimension-là, cette ambiance de chaleur intense, et en plus en même temps on la vit, donc c'est plus c'est donc je trouvais que c'était assez approprié justement de se sentir un petit peu comme
comme si on était dans cet empire des Sassanides, hein, un petit peu. Hein, Mais c'est... c'est quoi le style du livre? On a plus l'impression de lire un roman ou réellement quelque chose d'historique? Oh, moi, je dirais que ça s'inscrit plus dans... C'est un petit peu comme Bainville, ça se lit comme un roman, mais derrière, il y a comme une certaine dimension historique, en fait. Les gens qui écrivent beaucoup de livres, comme Virgil Giorgio, sont des gens qui ont une plume de romancier, quand même, quelque part. Donc, même s'il y a il y a énormément... Bon, c'est historique, mais ça se lit comme un roman. Hein. Ça se lit comme un roman. Hein. Ok, bah je te laisse nous faire découvrir alors. Alors évidemment, moi je vais relater, je vais quand même prendre des passages qui sont dans ce livre. Vous voyez, par exemple, qu'on peut quand même déjà faire une certaine présentation de cette ambiance qu'il y a à la Mecque, d'ailleurs. Je peux même lire à la limite le passage, le premier passage qui, je ne vais pas tout lire, mais lire quelques lignes pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Et le chapitre 1 s'appelle Mourir brûlé vif pour son Dieu. Alors c'est Abd al-Muttalib qui en fait serait le grand-père de Mahomet, qui est l'un des 10 oligarques de la Mecque. C'est un homme de haute taille, il est plus grand que ne le sont les Arabes en général, il a le teint blond en outre. Chose assez inusitée, il se teint la barbe et les cheveux. Ayant reçu d'un prince yéménite à l'occasion d'un voyage en Arabie méridionale, un flacon de teinture ainsi que le mode d'emploi. C'est un homme riche, élégant. Abdelmoutalib a dépassé la cinquantaine, le sort lui a donné tout ce qui pourrait faire de lui un homme heureux, et malgré cela, sa vie est un drame. Lorsqu'il cause avec des amis ou avec d'autres négociants, il ne parvient pas à un seul instant à chasser le souci qui le torture. Pourtant, aujourd'hui, pour la première fois, il entend parler d'une détresse qui surpasse la sienne. Tant que dure le récit, il oublie sa propre douleur. Le narrateur est Al-Harith ibn Muhad, chef de la tribu des Jurumites de la Mecque. Il relate un pogrom, un massacre qui fut perpétré dans le Nejran, oasis de l'Arabie méridionale. Voici les faits que rapporte Al-Harith. Il se situe quelques années plus tôt, aux environs de l'an 530, à l'ère chrétienne. L'Arabie est un territoire immense, de plus de 3 millions de mètres carrés. Mais les 9 dixièmes en sont stériles. C'est une grande étendue de sable, de pierres rouges et de lave. Seule la dixième partie est fertile, composée de régions qui se trouvent souvent dans le sud, spécialement au Yémen. Je rappelle que le Yémen signifie le pays de droite ou le pays heureux. Les Roumains l'ont appelé Arabia Felix, c'est là qu'a vécu au temps biblique la reine de Saba, contemporaine de Salomon. La nuit de l'Arabie, enfin, le sud de l'Arabie plutôt, a été christianisé plusieurs fois, puis déchristianisé, puis rechristianisé à nouveau. Le premier qui a porté la parole de l'Évangile dans cette région, selon la tradition, un des 12 apôtres de Jésus-Christ, Saint Barthélemy, a évangélisé le Yémen avant de franchir le détroit de Bab-el-Mandeb et de passer en Abyssinie. Alors là, on est déjà quand même, je trouve, assez pas mal dans l'ambiance, parce qu'on parle quand même du royaume d'Himyarite en Arabie du Sud, qui a pour roi du Nouas, c'est-à-dire le seigneur des boucles. Il est de religion judaïque et il a décidé, comme c'est l'usage, que tous ses sujets devaient adorer le même Dieu que lui. Les sujets se sont soumis. Des sujets qui ne se soumettraient pas à leur roi ne seraient plus des sujets. Mais Dunawas n'était pas satisfait. Il désirait que tous les peuples avoisinants se convertissent aussi au judaïsme. Or, les premiers voisins du roi Dunawas, au nord, sont les Arabes de l'oasis de Nejran. Nejran, c'est une bande de terre plus ou moins fertile qui s'étend sur une longueur de 100 km au milieu du désert de sable et de pierre. Ce lambeau de terre se trouve en bordure du terrible désert Rub al-Khali, qui, on dit peut-être Rub al-Khali, qui couvre de sable rouge et de pierre 800 000 km² et
qui se prolonge au nord par un autre désert nommé Dana, long de 600 km pour finir dans le désert immense du nord nommé Nefoud, c'est-à-dire les dunes, ou Bakar, Bilama, ou la mer sans eau. Dunawas, qui est le seigneur des boucles, a fait dire aux Arabes chrétiens du Nejran qu'il les invitait à adorer le même Dieu que lui. Les Arabes du Nejran sont moins pauvres que les autres Arabes. En premier lieu, leurs oasis se trouvent sur la route des caravanes qui vont du nord au sud et de l'ouest à l'est. Toutes les caravanes qui traversent l'Arabie se croisent au Nejran. De plus, ils tissent et ils travaillent les métaux. À l'invitation du roi Dunawas, les Arabes chrétiens du Nejran ont répondu poliment, ainsi qu'ils s'y est de répondre à un roi, mais fermement, qu'ils aimaient beaucoup le Dieu qu'ils avaient et qu'ils n'étaient pas dans leurs intentions de l'abandonner. Ils voulaient rester fidèles à Jésus. La foi en Dieu, à l'inverse des plantes, prend racine plus facilement et plus profondément dans le désert que dans les terres fertiles. Dans le désert, il n'existe pas d'œuvre humaine ou naturelle qui arrête le regard, la pensée ou le désir des hommes. Rien ne peut distraire l'homme de la contemplation de l'éternité. L'homme est sans cesse en contact avec l'infini qui commence à ses pieds même. Lorsque l'homme rencontre Dieu dans le désert, il lui reste fidèle. Comme cela se passe à ce moment-là chez les chrétiens arabes du Nejran. Le roi Imyarit cherche un prétexte pour punir ce refus. Le prétexte ne tarde pas à surgir, évidemment, puisque les prétextes sont comme les taches du soleil. On les découvre qui veut les voir. Pendant que Dunawas, lui, prépare sa vengeance, les citoyens du Nejran continuent, bien sûr, à prier Jésus, ainsi que leur avait enseigné le saint apôtre Barthélemy et les autres missionnaires qui étaient passés par leurs oasis perdus dans l'infini du sable brûlant. Les chrétiens du Nejran gardaient le souvenir d'un évêque nommé Panthénaïus, qui avait christianisé une région voisine du Yémen, et d'un prêtre missionnaire de Tyr nommé Frumentius. Ce dernier n'était pas seulement missionnaire, mais aussi un administrateur avisé, et le roi de Sana l'avait prié de devenir son ministre des Finances et son trésorier. Les chrétiens du Nejran gardaient ce souvenir avec piété et fidélité. Donc, ce qui est intéressant, c'est de constater quand même que c'est vrai que là, cette région très, très, très désertique et très aride était d'abord une région chrétienne. D'accord? Je rappelle quand même aux gens qui sont dans le chat qu'il ne s'agit pas d'opposer le christianisme et l'islam, ce n'est pas l'objet. De ce direct, ouais. Voilà. Je vois aussi les messages. Je vois que les passions remontent, mais à un moment donné, il faut aussi s'ouvrir et comprendre que on n'est pas là pour faire du prosélytisme ou quoi que ce soit, on est simplement pour découvrir un livre qui nous recontextualise dans une Arabie qui est celle de l'émergence de l'islam, et il est bon de savoir de quoi on parle aussi, plutôt que d'arriver avec des slogans en disant « Vive le Christ en roi ». Moi aussi, je dis « Vive le Christ en roi », mais c'est pas de ça dont il s'agit aujourd'hui, d'accord? J'aimerais bien qu'on mélange pas les genres, s'il vous plaît. Alors, puisqu'il s'agit de Mahomet, nous allons voir ce que nous dit l'auteur sur Mahomet, et vous verrez que il faut que je retrouve aussi la page. Peut-être que dans un premier temps, on pourrait parler de qui engendre Mahomet, évidemment, puisque Mahomet. Alors, on sait que. Ouais, c'est justement une question que je voulais te poser sur l'ouvrage. Ça s'appelle La vie de Mahomet, donc ça prend vraiment sa vie à partir de sa naissance et jusqu'à sa mort. En plus, je crois qu'il est mort, très vieux, à plus de 90 ans. Je sais pas si, corrige-moi si je me trompe, Maximus, mais. Ouais, écoute, alors tu peux me répéter, Lou, ce que tu dis? Je te disais, est-ce que ce livre prend sa vie à partir du point de départ, c'est-à-dire à partir de sa naissance, et est-ce qu'il va jusqu'à sa mort? Et je crois qu'il est mort à plus de 90 ans, non, ouais, on me dit 62 ans, je ne sais pas si tu connais l'âge exact à laquelle il est mort aussi.
Bah, Abdallah, c'est le père du prophète. Donc évidemment, on reprend toute la genèse, hein, toute l'origine, et ça va évidemment jusqu'à sa mort, donc sans problème, quoi. Donc on parle bien de contexte de la Mecque, où justement on voit comment les choses sont organisées à l'intérieur de la cité de la Mecque et à travers ce désert qui entoure cette Mecque. Donc oui, bien sûr qu'on parle du tout début, on parle aussi de ce qui s'y passe et comment sociologiquement la Mecque qui est une cité très organisée quand même avec des notables, avec toute une hiérarchie commerciale. Donc c'est quand même une cité qui a sa prospérité intérieure, tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est expliqué, hein, dans le bouquin, parfaitement bien expliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est de le remettre justement et d'essayer de laisser courir un peu son imaginaire et de laisser porter par cette ambiance. Parce que vous savez, quand vous êtes géographiquement dans une forêt ou dans une ville ou ailleurs, vous n'êtes pas dans les mêmes perceptions. Et je crois que le désert, c'est très particulier. Moi, je suis jamais allé dans le désert. Donc je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je suis sûr que c'est un lieu absolument en termes d'ambiance assez particulier. Moi qui suis passionné de photos, j'ai regardé les photographes, enfin les photographies de professionnels de la photo qui vont dans le désert essayer de capter la lumière ou faire ces longues photos des dunes, tu sais, ou de cet horizon-là qui est infini. Bah, tu te dis, mais c'est vrai qu'il doit y avoir une drôle d'ambiance là-dedans, avec un sous un soleil comme ça écrasant. Il faut quand même vivre là-dedans. Vous voyez ce que je dis? Alors, comment ça se... Désolé, excuse-moi, j'étais en train de faire le ménage dans le clavardier parce que automatiquement, dès qu'on aborde ce genre de sujet, ben, tu as des trolls qui débarquent et qui justement essayent de monter les uns contre les autres. Tu as des petites chialeuses là qui viennent dire oui, Lou, tu fais de la censure, machin et tout. Ouais, c'est pas de la censure, c'est de la modération. Tu te comportes mal, tu es modéré. Ici, c'est chez moi. Tu vois, avant de rentrer, tu retires tes godasses et tu mets pas tes pattes sur la table. Donc sur cette chaîne, on se comporte bien, on n'est pas là pour s'insulter les uns les autres. Et ceux qui se comportent mal et ceux qui font leur petite pleureuse, ben ouais, ça dégage. Désolé, mais c'est comme ça, quoi. Donc on n'a pas de temps à perdre avec vous. Je te laisse poursuivre, Maximus. Oui, et puis surtout, on n'est pas là aussi pour, encore une fois, attiser des tensions qui peuvent être plus ou moins exacerbées. Ça sert strictement à rien. Donc, ça sert à... les gens qui font ça, effectivement, pour moi, ils n'ont rien à faire là. C'est qu'ils n'ont pas compris l'objet, j'ai envie de dire, de ce conseil de lecture. Ils n'ont pas compris ce qui se passe. Donc, alors, Mahomet, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, c'est une référence pour certains d'entre nous qui sont en France, qui sont de nationalité française, en tout cas juridiquement, il faut en tenir compte. Donc ça ne sert à rien de dire oui, et de jouer sur le registre de Zemmour. C'est justement pour sortir un petit peu de cette vision où finalement il faudrait forcément opposer l'islam contre les non-musulmans, alors qu'en réalité nous avons un ennemi commun, c'est le globalisme. Parce que je vous assure que le globalisme, il nous réduira de toutes les façons tous à l'état d'esclaves, qu'on soit musulman ou chrétien, ou supposé chrétien. Donc ça ne sert à rien de faire de la tension. Ce n'est pas une, cette, cette, ce direct, il n'est pas à charge contre l'islam. Il n'est pas du tout à charge. Donc ne cherchez pas à attiser des querelles. Il n'y aura pas de querelles. C'est simplement, je veux vous faire ressentir tout simplement le contexte, l'ambiance, ce que c'est que de vivre dans le désert. Oui, bah, l'ennemi commun est le mensonge, mais il n'empêche quand même qu'on est là aussi pour se rapprocher de ceux qui sont potentiellement nos alliés. Donc, je suis désolé. Donc, oui, c'est le mensonge, mais il y a aussi des priorités. Et les priorités, c'est le globalisme. C'est le plus gros mensonge. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, comment dire? Je comprends la position de certains. Ça, je veux dire, on vit tous la même chose. Évidemment, je comprends que certains puissent être agacés par l'immigration de masse. On le voit tous, on le vit tous. Faudrait vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Mais c'est pas le thème. C'est pas le thème du tout de ce direct. Ça, on en parle assez souvent de l'immigration de masse et surtout qui est responsable de cette immigration de masse et le pourquoi cette immigration de masse, on en a déjà parlé maintes et maintes fois. Donc là aujourd'hui, c'est pas le thème de ce direct. Et puis je vais continuer à faire le ménage dans le clavardier de toute façon parce que je vois qu'il y en a un qui s'arrête pas à venir Ouais, bah. chialer. Genre, en gros, on l'empêche de s'exprimer. Le gars, il a que des messages haineux, tu vois. Pour lui, c'est juste donner un avis, sauf que son avis est là pour, je suis pas aveugle, hein. Je vois bien qu'il y en a qui sont pour attiser les braises, donc non, je laisserai pas faire ça, c'est tout. Donc voilà, allez, on continue et puis on s'occupe plus d'eux. Enfin, moi je m'occupe d'eux et Oui, puis bah. toi continue, Maximus. Alors, on va parler de Abdelmoutallib, parce que quand même, c'est un homme puissant de la Mecque, et j'ai parlé de lui au tout début. Il est présenté dans le livre de Virgile Giorgio, et Abdelmoutallib, c'est comme une fois qu'il est devenu père, en fait, peu de temps après, si tu veux, la transaction qu'il a fait avec Dieu, bah, il a eu un fils. Puis finalement, il a fini par en avoir trois. Il a été comblé, il a été très heureux. Et Moutalib, qui est un personnage, comme je dis, important de la Mecque. La Mecque, c'est une ville avec laquelle, en fait, c'est une ville qui est quand même assez intéressante parce qu'il y a beaucoup d'activités et il y a très peu de villes en Arabie qui peuvent rivaliser avec elle, tu vois. Parce qu'elle possède quand même pas mal de richesses, elle est assez éclatante, elle est décrite comme éclatante. C'est la mère des villes, c'est la al-Qura, la mère des villes en arabe. C'est une ville qui rayonne quand même pas mal. C'est très très bien décrit dans le livre. Et Al-Muttalib, lui, il habite justement tout près d'un sanctuaire, dans un quartier qui est nommé Bata. En fait. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des choses intéressantes sur ce personnage qui est finalement un arabe assez classique, quand même, et par conséquent, en fait, il n'est pas tout seul, si tu veux, parce que la Mecque, c'est aussi les. Je rappelle que Mahomet, il est du clan de Hachémite, hein, de Hachem, de la tribu de Hachem, donc c'est un Hachémite. Et de la tribu des Koraïches. Les Koraïches, ce sont les gens qui tiennent la Mecque, ce sont les notables. D'accord? Faut bien se remettre dans ce contexte-là. Donc, c'est quand même particulier. Ces particularismes font qu'effectivement, les hommes, comme je le disais déjà, étaient particulièrement sont durs quand même quelque part parce que c'est un climat où il fait plus de 5, pas 45, 50 degrés quand même, hein. C'est dur, hein. Donc, quand vous contrôlez une oasis, vous contrôlez votre survie quelque part. Alors, Leïla Lili, je ne prononcerai pas Mohamed, je suis désolé, je dirai toujours Mahomet, ne t'en déplaise, parce que c'est le titre du livre, et si vous êtes des puristes et des orthodoxes, je pense qu'il vaut mieux que vous quittiez ce direct, tout simplement. Mais si ça vous déplaît, changez de station, tout simplement. Tu disais. Ouais, tu parlais du climat rude là-bas qui faisait que ça faisait des hommes rudes aussi. Il y a évidemment la chaleur, mais il y a aussi le vent et le sable qui fouettent le visage et tout ça. Ouais, bah tout ça, ça fait derrière ouais des hommes solides et puis comment dire endurants. Voilà, c'est tout ce Tout que à je voulais fait, dire en tout fait. à fait. Alors, Abdelmoutallib, il va accomplir un sacrifice parce qu'il appartient à une société dont les idéaux moraux sont la patience dans l'adversité, la ténacité dans la vengeance, évidemment, la défiance envers les forts et la protection de ceux qui sont tourmentés.
C'est le credo moral d'un bédouin, hein, tout simplement, qui est nomade dans le désert. Hein. Ce credo, ça s'appelle le morawa, et c'est le synonyme de mot virilité, tout simplement. Donc, on parlait de rudesse, on parlait de difficulté, de rudesse. Ben voilà qui montre que, d'une certaine manière, dans le désert, eh ben, parfois, on est obligé de secourir celui qui a besoin d'aide. On ne peut pas le laisser, justement, en proie, par exemple, seul, perdu dans le désert. Lorsqu'ils croisent des caravaniers, eh bien, isolés, on est obligé d'aller le secourir s'il est perdu. Voyez. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le désert, le principe général est qu'il ne faut jamais contrarier Dieu parce que Dieu est le propriétaire de toute vie. L'homme ne dispose que de l'usufruit de la vie dans certaines limites et dans certaines conditions. Et comme le dit un certain poète hein, qui s'appelle Tarafa, les vivants sont pareils aux chèvres attachées à une corde qui leur permet de brouter, mais dont le maître tient l'extrémité. Alors, il faut savoir que l'homme n'est pas consulté lorsqu'on lui offre la vie. Hein. S'ils avaient été consultés, la grande majorité des hommes auraient refusé d'être, comme on dit, au terme de la vie ou à l'heure de la mort, certainement dans des endroits aussi complexes, aussi difficiles. Aussi impitoyable aussi quelque part, parce que les créatures du désert, ce sont les scorpions, ce sont toutes sortes d'insectes aussi, je crois, d'espèces de musaraignes, de mulots, là, qui résistent à des températures absolument extrêmes. Donc, c'est pas un contexte géographique pour tous les êtres vivants, il faut bien le comprendre, quoi. Donc, c'est une aventure très particulière que d'être dans le désert et de forger sa vie à l'intérieur du désert. Alors, on nous dit dans le livre de Georgiou que les citoyens de la Mecque sont extrêmement tolérants en matière de foi, que la Mecque est une grande ville et ils ne poussent pas que l'herbe, ils poussent assez difficilement quand même, mais que tout autour du désert, la ville située par exemple sur les routes des grandes caravanes vit principalement du commerce et en bon commerçant, les Mécois aiment offrir aux voyageurs jusqu'à la possibilité de prier. Donc, à la base, ils étaient polythéistes, hein, les gens de la Mecque, donc ils ont réuni les idoles et les icônes comme dans un musée afin que chaque étranger y trouve sa propre idole et pour que la Mecque soit reconnue comme ville sainte par tous les hommes, d'ailleurs. Et en dehors des motifs commerciaux, il s'agit aussi de comment dire, de piété, de spiritualité, et permettent à ce que tous les esprits et toutes les forces surnaturelles soient représentées, et parce que toutes ces forces seraient considérées comme bienveillantes ou neutres. Ça dépend, tout dépend de ses propres croyances. Pensez bien que là, on est dans un contexte anté-islamique, hein, on n'est pas encore dans un contexte musulman. C'est ce qui se passe à la Mecque bien, bien avant l'arrivée de l'islam. Quand je parle de polythéisme, il faut le recontextualiser pareil, avant l'arrivée, enfin avant la révélation du prophète, enfin avant, comment dire, la naissance du prophète. Peut-être une question, Lou? Non, pas de question. Encore juste, je suis encore en train de faire le, je suis encore en train d'essayer de faire le ménage de l'autre côté. Mais de l'autre côté, j'ai parfois ma modératrice qui va plus vite que moi. Et sérieux, vous êtes chiant en fait parce que, enfin en fait, je crois que c'est plus, je crois qu'il y a un troll qui revient de multiples reprises. Et comment dire, bah vous connaissez moi ma position par rapport à ça, par rapport à l'immigration de masse. Oui, j'ai aussi le sentiment dans mon pays de me sentir un peu envahi. Donc vous connaissez parfaitement ma position par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est pas le thème. Une fois encore, on laisse ses ressentis personnels de côté et puis on écoute le conseil de lecture. Voilà. Par exemple, je me suis beaucoup intéressé à comment ça s'appelle la secte des assassins. Et c'est la secte des assassins, c'est des musulmans. Et ils ont une vision radicale de l'islam. Il y en a même qui disent que c'est à l'origine du djihadisme d'aujourd'hui. Mais c'est des trucs, c'est passionnant. Et peu importe, j'ai envie de dire quelles sont nos opinions personnelles là-dessus, c'est bien de les connaître, c'est bien d'aller vers cette culture aussi pour mieux comprendre les choses. Donc voilà, aujourd'hui, on laisse ses ressentis personnels de côté et puis on écoute le direct de Maximus tranquillement et voilà, on laisse voilà pas d'opinion personnelle pour l'instant, c'est mieux. Oui, c'est ça. Ne cherchez pas à faire des querelles, ça ne sert strictement à rien.
On va le dire et le redire, parce que je crois qu'il y en a qui comprennent véritablement pas. Alors, je parlais justement du fameux Abdal Al-Muttalib, qui, une fois, a fait son voyage à la Mecque, est revenu. On est donc en 570. C'est un homme qui est centenaire, mais il est toujours actif, parce que la vie pour lui a pris un autre cours. Après que, malheureusement, certains événements malheureux aient existé dans le Néjran, comme par exemple des chrétiens qui auraient été brûlés, vifs, malheureusement. Il a quand même eu 10 enfants, ce Abdel Al-Muttalib, dont justement, c'est qu'il a eu une descendance plutôt prospère. Voilà. Donc, Abdallah, qui est justement le fils d'Al-Muttalib, qui sera donc le papa de Mahomet, hein, puisque Abdallah Al-Muttalib, c'est le grand-père de Mahomet. Donc c'est quand même quelqu'un qui aura été un très haut dignitaire de la Mecque, bien sûr, qui aura une vie assez riche, bien remplie. Et lorsque Abdallah, fils d'Abd al-Muttalib, qui est l'esclave de Dieu et sera le père du prophète, n'aura, lui, par exemple, pas la chance, malheureusement, de voir son fils parce qu'il mourra quelques semaines avant la naissance, justement, de Mahomet ou de Mohammed, pour ne pas fâcher ceux qui sont dans le chat. On nous dit que les chroniqueurs sont laconiques, qu'il est parti pour un voyage commercial en vue de visiter ses oncles maternels à Médine. Et le pauvre Abdallah, lui, va tomber malade et il va mourir, évidemment. Donc, Abdallah, c'est le père du prophète. Il était très pauvre et à sa mort, il ne laisse pour tout héritage à sa femme et au fils qui va naître que 5 chameaux, une vieille esclave, lui qui avait à peu près plus de 100 chameaux, maintenant il n'en possède malheureusement plus que 5. Donc, la mort d'Abdallah va causer une douleur dans la famille, évidemment, bien que ruinée matériellement. Amina prendra donc Abd al-Muttalib, bien que ruinée matériellement, prend en charge Amina, la veuve de son fils, et il promet de s'occuper de l'enfant qui va naître, c'est-à-dire le prophète. Nous sommes en 570, au cours de cette année, des événements vont se produire, des événements qu'on n'oubliera jamais. Le fameux Dhu Nuwas, qui est le seigneur des boucles, auteur du pogrom de Nejran, lui est mort, c'est-à-dire que c'est lui qui est à l'origine des 20 000 chrétiens brûlés vifs. Il est mort d'une mort assez violente, comme tous les assassins. Il a été vaincu au combat, il était détesté par le peuple et il s'est jeté dans la mer. Du haut d'un rocher, tout simplement, et l'empereur d'Abyssinie, par contre, le Négus, a occupé le pays où régnait justement ce fameux tyran aux boucles, et le Négus a nommé en Arabie du Sud un vice-roi pour justement gouverner cette région. Il a donc envoyé des prêtres pour consoler les chrétiens qui ont survécu au pogrom, et il a bâti des églises. Plus spécialement, il a construit un système d'irrigation géant pour que les hommes puissent cultiver la terre et qu'ils ne souffrent plus de la faim, ce qui est quand même fort charitable. Sachant que quand même le plus célèbre des vice-rois de l'Arabie du Sud a été quand même le colonel Abyssin Abraha, son nom se trouve quand même gravé sur de nombreuses digues et églises, et c'est un grand bâtisseur. En plus, il portait des titres plutôt ronflants quand même, puisque sur chaque inscription que l'on découvre, les archéologues lisent à côté du nom d'Abraha: par la puissance et la clémence et la miséricorde de Dieu Tout-Puissant et son Messie, et de son Saint-Esprit, cette inscription est gravée par Abraha, délégué du roi, Gestite, Ramish, Zubhanyan, roi de Saba et d'Ou Redan, et de Adramo et Yamat, et des Arabes de Tihamar et de Nadj. Voilà. Donc effectivement, si dans ce contexte, effectivement, il y a de la rudesse, comme je vous dis, ou même de la violence, c'est parce que c'est le climat qui fait ces hommes-là. D'accord? Donc les caravanes, elles peuvent circuler, elles peuvent s'arrêter à la Mecque pour se ravitailler, parce qu'il existe quand même des mois de trêve, et que c'est compliqué, donc
Il faut refaire le plein en eau, en légumes. Le climat est étouffant, le désert est stérile. On ne peut pas s'arrêter pour comment dire, bah pour comme nous en France sur les bords des routes où on voit les arbres avec des mirabelles, des reines claudes, parfois des pommiers, etc. Bah ça n'existe pas dans le désert. Dans le désert, tout est sec, tout est aride. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'arbres. Donc c'est très très compliqué. Donc quand on arrive dans une ville, on est content quand même de se poser pour pouvoir souffler un peu avant de reprendre sa route. De plus, il faut comprendre que le territoire de la ville et de la région environnante sont quand même un peu déclarés quelque part un peu sacrés et que lorsque on met un peu la religion comme ça au service du commerce. Où bah, la Mecque forcément va devenir une ville un peu plus prospère et un peu plus sacrée elle aussi. Vous voyez? Donc J'ai une question qui va peut-être te sembler bizarre, mais je m'interrogeais sur ça. Est-ce que tu as une idée de comment ils faisaient pour s'orienter à l'époque? Ils avaient des cartes ou ils... enfin voilà. Est-ce que tu sais de quelle manière ils s'orientaient parfois justement dans le désert? Savoir que dans le désert, ben, par exemple, on peut pas prendre des dunes comme repère parce que le vent fait bouger les dunes. Donc c'est assez compliqué de s'orienter à part avec le soleil, mais là aussi ça peut être parfois assez approximatif. Donc tu as une idée de comment il faisait pour s'orienter? Bah justement, c'est une bonne question parce que c'est vrai que Georgiou, il n'en parle pas. Effectivement, comment font tous ces caravaniers, justement, puisqu'il n'y a pas de route de tracé, effectivement. J'imagine en fait qu'ils devaient s'orienter plutôt par rapport, effectivement, à la direction du soleil. Je pense que c'était vraiment ça leur boussole. La journée, ouais, la nuit, on me dit les étoiles, ouais, c'est clair. Ouais, je pense, ouais, voilà, ça, il suffisait de prendre une direction après de s'y tenir, quoi, donc. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'ils s'orientaient. Donc, ils avaient certainement des boussoles aussi qui indiquaient le nord et qui indiquaient les directions. Et je pense qu'ils dirigeaient comme ça peut exister à la boussole, hein, comme les navigateurs. Hein. C'est comme quand on est en haute mer, hein, quelque part, bah, on se dirige à la boussole. Bah, je pense que les caravaniers faisaient à peu près la même chose. Et je pense qu'ils n'avaient pas le choix parce que quand tu es pris dans une tempête de sable, tu peux pas, tu vois, au niveau des repères. Dire tiens, on est passé là, on va aller là, on va s'orienter là, etc. Tu vois pas ce qui se passe, mais il faut quand même que tu avances. Donc Et j'imagine que ça devait. il se déplaçait plutôt la nuit ou le jour? Ah bah, de toute façon, je pense qu'il se déplaçait probablement, je pense, le jour. Moi, pour moi, c'est. La nuit, je crois qu'il se posait, il se déplaçait pas la nuit. La nuit, il se posait. En plus, les nuits dans le désert sont très fraîches, sont très très froides même. Donc, je pense qu'il se déplaçait plutôt en journée, il se déplaçait pas la nuit, quoi. Ah, je crois que j'aurais fait l'inverse. Moi, je sais pas pourquoi. J'aurais profité justement de la fraîcheur de la nuit pour fournir l'effort à ce moment-là, et puis en journée peut-être se poser pour avoir de Non, l'ombre. parce que eux, ils ont l'habitude de se déplacer dans le désert, justement, même de jour, ils se déplacent de jour. Donc c'est plutôt de jour hein, qu'il se déplaçait. En tout cas, Giorgio, dans son livre, parle véritablement de chemins qui sont parcourus, mais en journée. Hein, c'est vraiment ça. Hein. D'accord. Donc, alors, nous sommes dans un autre chapitre, c'est la naissance du prophète Mahomet. Et sur la naissance de Mahomet, le poète arabe Hassan ibn Tali décrit « J'étais enfant ». J'avais alors 7 ou 8 ans, j'ai entendu les juifs de Médine qui s'étaient rassemblés et parlaient fort dans la rue. L'un d'entre eux monta sur un toit et appela ses corréligionnaires, les exhortant à se rassembler. Lorsque tous les juifs furent massés dans la rue, celui qui était monté sur le toit annonça: Cette nuit, l'étoile qui annonce la naissance d'Ahmed est apparue dans le ciel. Ahmed est né. La naissance de Mahomet, ainsi qu'il est écrit dans le Coran, a été annoncé par tous les prophètes antérieurs et même par Jésus-Christ. Le Coran dit: Je suis l'apôtre de Dieu, répétait Jésus, fils de Marie, je viens confirmer la vérité du Pentateuque qui m'a précédé et vous annoncer la venue du prophète qui me suivra, Ahmed est son nom. Dans l'évangile selon saint Jean, selon Giorgio, Jésus annonce à ses disciples qu'il va mourir, mais qu'il enverra un paraclète, c'est-à-dire un consolateur. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai Dieu le Père, et il vous donnera un autre paraclète pour qu'il soit avec vous à jamais. Je ne vous laisserai pas orphelin. Donc il faut savoir que le mot grec parakletos est traduit par consolateur, mais ça peut être
conseiller, avocat, assistant, le paraclès est celui qui précédera sûrement. Et Jésus donc annonce par conséquent aux disciples qu'il leur enverra un paraclétos qui restera avec les fidèles et les disciples à jamais. Ce paraclétos, intercesseur des hommes auprès de Dieu, ce consolateur qui apparaîtra après la crucifixion du Christ et son ascension au ciel, c'est le Saint-Esprit. Ceci est l'interprétation chrétienne. Le Saint-Esprit est venu au-dessus des fidèles, ainsi que le Christ l'avait promis 50 jours après la résurrection. Donc évidemment, les musulmans n'ont pas lu paraclétos, mais périclétos, mot qui signifie exactement Ahmet ou Mohammed, ou Mohammed, ou le loué est le superlatif du Mohammed égale loué, qui Là, en grec se dit périclétos. pardon, là aussi on est sur bah là on est sur des interprétations de l'auteur et sur C'est l'auteur, hein. Oui, c'est l'auteur. ouais, d'accord, parce que je vois encore des gens qui disent désolé, c'est pas vrai et tout. Là, on est sur une interprétation de l'auteur, c'est pas on va pas dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. L'auteur nous dit lui que selon lui, eh bien même dans la chrétienté, eh bien le prophète de l'islam a été prophétisé hein. Il a été voilà, c'est ce que nous dit l'auteur en tout cas par rapport à ça. C'est exactement ça. Il faut, mais enfin. Et pour ceux qui demandent, alors non, Maximus n'est pas musulman, Maximus est chrétien. Donc voilà, pour ceux qui demandent. Oui, mais les gens, ouvrez-vous un petit peu. Enfin, je veux dire, on peut garder ses convictions et s'ouvrir en même temps, et pourquoi pas, et même entre guillemets, ne pas être d'accord sur certains aspects et apprécier tout à fait certains passages, certaines choses qui sont dans le bouquin qui sont valables. Donc, il faut pas être quand même hermétique. Et penser que finalement, bon, bref, on peut se passer d'un certain niveau de connaissance pour juger. Non, plus on acquiert de connaissances, et mieux c'est, je pense. Donc, en Arabie, justement, entre les deux infinis déserts, au-dessus de la tête et sous les pieds, il y a une importance capitale, c'est que le Créateur et la créature ont des occasions sans nombre de se rencontrer, évidemment, face à face. Ce n'est pas comme sur le reste de la planète où l'homme a sa place, le diable la sienne et les anges la leur. Le reste de la planète est comme une construction terminée où il existe des portes, des murs, des étages, des escaliers principaux et des escaliers de service, des issues interdites. Les locataires, les propriétaires, les architectes et les ingénieurs ne se rencontrent jamais. Chacun vit dans le secteur et à l'étage qui lui est réservé. Il ne voit rien au-delà de ses propres murs. Il est donc naturel que pendant les années qui vont suivre, aucun régime de faveur ne soit offert à Mahomet, bien que ses parents et concitoyens aient su qu'il était né prophète. Il n'est jamais certain que vous accompliriez votre mission et que vous seriez un être exceptionnel, même si vous êtes né prophète. Donc, il faut savoir que c'est toujours pareil, c'est selon l'auteur. Mahomet est soumis au même régime que tous les enfants Quraïch de la Mecque. Naître prophète n'est assurément un fait important, mais ce qui est vraiment important pour lui, c'est d'accomplir sa mission de prophète. C'est dans ce fait que réside la grandeur. C'est cela l'exceptionnel, et c'est pour cela que la dernière parole de Mahomet avant de mourir sera « Ai-je bien accompli ?» Voilà. Bah voilà, bah c'est très bien, ça fait la transition. Ai-je bien accompli? Ça fait exactement la transition avec ce que je voulais dire. Il y a Josette déjà qui nous dit non, un chrétien ne fait pas l'apologie de l'islam. Mais je veux dire, je veux dire, ça c'est une règle déjà qui ne peut pas exister puisque au moment où la chrétienté se répand, l'islam n'existe même pas. Donc déjà ça c'est le premier truc et deuxième truc moi vous connaissez parfaitement ma vision des choses par rapport à ça c'est moi je veux pas me dire les gens sont des gens bons ou des gens mauvais en fonction de leur religion. Je connais des musulmans qui se comportent très très mal et qui pourtant se disent être des bons religieux et des musulmans qui se comportent très très bien. Je connais pareil chez les chrétiens, des chrétiens qui se comportent très mal et qui se disent pourtant être des religieux, mais pareil chez des gens qui ne croient en rien, on va dire des athées. Eh bien, il y en a qui se comportent vraiment très bien. Et moi, ma position par rapport à ça, c'est que, bah, en fait, je m'en fous un peu de la religion des gens.
Ce qui est important pour moi, c'est ce qu'ils ont dans le cœur, leur manière de se comporter, un petit peu leur morale personnelle. Et derrière, il n'y a que Dieu qui est seul juge de ça. Voilà. Et je pense que des athées, dans une vision religieuse des choses, ben, mériteraient parfaitement le paradis de par rapport au comportement qu'ils ont sur Terre, comme des gens qui se sont dit être de bons religieux toute leur vie, mais en fait se sont comportés comme des enfoirés toute leur vie, méritent l'enfer. Et je crois que Dieu est seul juge par rapport à ça, et que quelque part, on a beau se prétendre et on a beau essayer de se parer de codes et de comment dire de rituels qui feraient de nous des bons ou des mauvais religieux, au fond de nos cœurs, je crois qu'on sait très bien tous qui on est vraiment. Et puis, on peut pas bluffer Dieu. Si on le sait, Dieu le sait aussi. Donc voilà, ça, c'est ma vision des choses. Donc voilà, c'est parce que je lis vos messages en même temps, et ça m'a tout simplement fait penser à ça. Voilà, c'est quelqu'un n'est pas forcément bon parce qu'il prétend être un bon musulman ou un bon religieux, quelle que soit la religion. C'est ça, le dernier truc, ça se passe entre lui et Dieu. Et lui, il sait, Dieu sait aussi. Voilà, j'ai fini sur cette parenthèse. Oui, et puis si on voulait faire, très honnêtement, si on veut faire à charge, je crois que vous avez suffisamment, à travers les canaux mainstream aujourd'hui, des personnes qui justement font du à charge contre Mahomet, contre l'islam, contre les musulmans. Donc moi, mon but, c'était pas de faire ça. Mon but, c'est de vous présenter un livre dans lequel on peut voyager, dans lequel on peut s'immerger dans un contexte qui est celui d'un prophète qui sert de référence à beaucoup de nos concitoyens. Et par envie, par goût de la lecture et de la connaissance, moi je vous invite, même si vous êtes entre guillemets réticent ou hostile, à quand même lire ce livre. J'insiste, parce que vous allez mieux vous projeter, vous allez mieux comprendre, et ça vous donnera beaucoup plus de rondeur dans vos raisonnements et dans vos analyses. Parce que c'est bien d'être tranché en disant oui, un chrétien il fait pas ça avec les musulmans, mais ça c'est vous savez pas en fait. Comme disent les musulmans, seul Dieu sait en fait ce qui doit être fait ou ne pas être fait. C'est pas, il faut se laisser porter, il faut se laisser guider. Vous voyez? Donc si demain comment dire, pour parachuter un petit peu ces mondialistes globalistes. Moi, mon ennemi, c'est pas mon voisin musulman. Mon ennemi, moi, c'est George Soros, c'est Bill Gates, c'est lui qui achète toutes les terres. C'est Jacques Attali qui fait des projections dans le futur. C'est Yuval Harari qui nous dit qu'on pourra hacker notre cerveau. C'est Klaus Schwab qui nous dit vous posséderez rien, vous serez heureux. C'est Ursula von der Leyen qui met des interdits. Sur la comment dire, sur l'information dans la zone Europe. Tous ces gens sont pas des musulmans. Moi, je voudrais Et bien qu'à un aussi moment. ceux, pardon, qui organisent des chocs de civilisation de manière totalement artificielle, comme celui qu'on est en train de plus ou moins de vivre aujourd'hui. Donc voilà, eux, ce sont les véritables ennemis. Bah oui, eux, bien sûr, ce sont les ennemis authentiques. Donc, moi, personnellement, qu'il y ait des musulmans en France, bah, on le sait de toutes les façons, puisque la Kabbale a tout fait pour créer des zones de tension partout, et puis s'amuser avec les transferts de population. On sait très bien que l'immigration n'est pas un phénomène forcément si naturel que ça. Il peut l'être dans une proportion faible, mais là, on voit bien qu'on est dans quelque chose de massif. Et c'est là où on voit que c'est artificiel et que c'est organisé. Donc, il faut bien tenir compte de certaines réalités, et il n'y a rien qui nous empêche, nous, justement, en tant que chrétiens, d'essayer justement de se connaître les uns les autres. On n'est peut-être pas obligé justement de faire que le plan de la cabale réussisse et qu'on se tape tous dessus les uns les autres. Ce serait stupide en fait. Ce serait totalement idiot. Idiot. Et puis ça, là, ça, il serait trop content. Ce sont tous ces rabbins qui appellent, comme tu disais, Lou, un choc des civilisations et des tensions entre chrétiens et musulmans. Eh bien, si on rentre dans ce jeu-là, c'est nous qui sommes idiots. C'est nous qui sommes bêtes, parce que nous faisons le jeu de nos ennemis. Donc, à un moment donné, il faut être malin. Il faut apprendre à se connaître. Autant j'invite les musulmans aussi à nous connaître, nous les chrétiens, pour savoir comment on fonctionne, et de ne pas être catégorique. Autant j'appelle aussi les chrétiens de l'autre côté, ou ceux qui s'intitulent encore chrétiens, de faire un effort pour comprendre quel est en fait cet islam, ce prophète Mahomet, la Mecque, etc. Essayer de comprendre de manière à ce qu'on puisse, à un moment donné, même si on n'est pas d'accord et qu'on garde nos convictions, ben au moins qu'on puisse le faire au moins amicalement et respectueusement, qu'on s'oppose respectueusement et amicalement, au moins.
Voilà, Voilà, il y j'ai a pas. pardon, Josette qui dit pour beaucoup de gens, il n'y a pas de persécution des chrétiens parce que personne n'en parle et pourtant il y a des milliers de sacrifices partout dans le monde. Il y a ça. Bah oui, le gros problème, c'est que personne n'en parle. Il y a aussi toutes ces églises en France qui sont brûlées régulièrement. Mais là, ce dont on parle, c'est qu'en gros, bah, on est conscient. Nous sommes conscients qu'on nous a tendu un piège, ce piège de choc des civilisations. On le voit même dans ce clavardier ici, ben, il y a des gens qui tombent dedans, qui ont envie d'attiser les haines comme si, ben, ils voulaient aller à l'affrontement, alors que le piège qu'on nous tend, c'est justement ça, c'est d'essayer de nous mener à l'affrontement. Et sur cette chaîne, ce qu'on fait, c'est de chercher à comprendre, surtout chercher à comprendre les choses, essayer d'avoir de plus en plus d'éléments de réflexion pour pouvoir analyser les choses, mais absolument pas se jeter, j'ai envie de dire, dans le piège jaloux sans réfléchir. Non, c'est pas le but. Il y a un piège, on nous a tendu un piège, on en est conscient et on va pas rentrer dans leur jeu. Ne soyons pas stupides, s'il vous plaît. Exactement. Et donc, je voyais qu'il y en a un qui, dans le chat, était en train de dire que j'étais en train de trahir mon Seigneur. Mais non, celui qui trahit le Seigneur, c'est celui qui ne veut pas désigner l'ennemi là où il se trouve, le vrai ennemi. Le vrai ennemi qui est pédocriminel, sataniste, kabbaliste, qui se nomme encore juif et qui ne l'est pas en fait, et qui est un descendant de Babylone et de Khazar. Donc c'est lui le vrai ennemi. Bon, maintenant, moi aussi, en tant que chrétien, j'aimerais bien effectivement convertir des musulmans en faire des chrétiens, mais pas n'importe comment. Voilà, c'est tout. Et il n'y a rien qui change. C'est tout. Il n'y a rien qui change. Donc si vous voulez faire des affrontements avec les musulmans du quotidien, libre à vous de le faire, mais vous êtes stupide si vous faites ça. Vous êtes complètement stupide parce que ça me rappelle la fois où j'avais fait en conseil de lecture Jihad versus Macworld. J'avais même pas commencé à énoncer le titre du livre qu'il y avait déjà des gens énervés dans le chat. Mais c'est très exactement la même chose. En fait, Macworld a déjà dénaturé même les musulmans qui sont soumis en fait aux règles de la consommation, qui vivent dans un système où c'est l'usure qui régit la vie des États, etc., etc. Or, l'usure, c'est interdit en islam. Voyez? Donc, comme le crédit. Donc, si on va par là, et si on commence à chercher les poux dans la tête sur qui est le plus orthodoxe que qui, ben, on fera pas grand-chose, les amis, hein. On n'a plus qu'à se retirer et vivre dans une grotte avec nos livres saints et à manger des racines et des insectes, hein. C'est tout, hein. Voilà. Si on va aussi. Je t'avoue que j'y pense de plus en plus. Non, mais voilà, si on va par là, les chrétiens sont dénaturés, les musulmans aussi, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se tape dessus? On essaie de se comprendre, de discuter, et peut-être de rebâtir quelque chose qui ressemblera à une fraternité correcte. Bah, je pense que c'est plus celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Bah, la dictature en marche, ouais, si tu veux, c'est ton point de vue, mais bon, Voilà, là c'est. on est justement dans l'idée de comment dire de détourner des lectures théologiques des choses pour essayer d'amener les gens à l'affrontement. Donc non, c'est une fois encore, c'est pas l'objectif. Allez, on va continuer sur le bouquin parce que c'est bon, je pense que la Oui, mais plupart des en gens ont même temps, compris je vais et quand ceux même qui font dire pas que l'effort de comprendre, tant pis. il y a beaucoup de musulmans qui sont désolés de voir des églises qui brûlent et qui sont peinés de voir que ces églises ne sont pas fréquentées pour la prière. Alors que vous avez des gauchistes athées, écolos, matérialistes, soi-disant anticapitalistes, qui sont très contents de voir les églises brûler. Voyez, donc moi, je veux bien. Qui trahit quoi, je veux bien, mais bon, à un moment donné, il faut regarder les choses et les remettre dans le réel, quoi. Voilà. Donc c'est facile après de dire c'est les musulmans qui ont fait ci, c'est les musulmans. Vous avez vu ces derniers temps, tous les attentats qu'il y a eu, mais c'est pratiquement tous des faux drapeaux. Que ça soit Nice, que ça soit hyper Sauf cachère. ouais, les églises qui crament en France, franchement, je crois que ça vient d'autre part que des musulmans. J'ai ma petite idée, hein, après, bon, on parlera de tout ça plus tard. Tiens, d'ailleurs, il y aura bien le journal où samedi. Et samedi, ouais, samedi, je pense que là, je vais essayer d'envoyer du bois. Vérifiez bien votre matériel avant le direct de samedi pour le journal où, parce que ça risque de faire surchauffer vos ordinateurs, vos téléphones portables. Mais samedi, ouais, je vais essayer de rattraper le retard que j'ai eu au cours
cours des deux dernières semaines là où j'ai pas fait de direct. Donc voilà. Et comme je le disais, voilà, les églises qui brûlent. Je suis pas certain que ce soit les musulmans. Hein. Franchement, là, faut se pencher sur la question, mais c'est vrai qu'on a un nombre incalculable d'églises qui brûlent chaque année en France. Et puis, bon, ben, on n'en entend pas parler. C'est sûr que si demain c'est une synagogue qui brûle, alors là, sur toutes les chaînes de télévision, BFM TV, du matin au soir, le retour des heures les plus sombres de notre histoire, on est reparti pour un tour de manège pendant une semaine sur eux. Le pire vient d'arriver. Les églises, par contre. C'est vrai que tout le monde s'en contrefiche. C'est bizarre, hein. C'est... Bah voilà, vous avez compris l'idéologie dans laquelle est ce pays. Et comme le disait Maximus, ben bah, il y a même des soi-disant des gauchistes, voilà, comment dire, sur l'écologie, de bons êtres humains, de bons citoyens altruistes, certainement qui en sont déjà à leur quatrième dose, et eh bien qui se réjouissent que ces églises brûlent. Donc c'est assez complexe hein, aujourd'hui l'idéologie de notre pays et puis comment dire cette espèce de masochisme dans lequel nous sommes entrés, c'est assez complexe à comprendre tout ça. Voilà, donc bah écoutez, on va aller au mariage du prophète. Hein, alors Mahomet est très pauvre, il a 25 ans, il vit toujours chez son oncle, hein, Abou Talib, qui a le don de faire des dettes et de ne pas les rembourser. Donc Abou Talib dit à Mahomet, la disette de plusieurs années nous a frappé lourdement. Va chez Khadija, qui connaît ton honnêteté, et demande-lui qu'elle te confie quelque chose, comme elle le fait à bien d'autres, afin que tu puisses voyager avec la caravane qui va partir pour la Syrie, tu pourras ainsi t'assurer quelques rémunérations. Khadija, que les gens connaissent à la Mecque, sous le nom de Tajira, la marchande, est une femme de 40 ans. Elle est très riche. Elle dirige toute seule ses affaires. Elle est née Kouwahid et elle fait partie de la tribu Assad. Khadija a été mariée deux fois. De son premier mariage, elle a un fils nommé Hind. Et du second, une fille nommée, elle aussi, Hind. Donc, Hind, c'est un prénom au masculin, je ne savais pas. Je pensais qu'il était que féminin, mais apparemment, ça peut s'employer au masculin. Outre Tajira, la marchande, les habitants l'appellent ainsi Taïna ou l'honnête. Elle habite une des plus belles maisons de la Mecque. Ses caravanes sont parmi les plus importantes. Mahomet se présente chez Khadija et est engagé dans la caravane qui part pour la Syrie. Il est un homme de confiance, il est El-Hamin, c'est-à-dire le fidèle. Dans son voyage, Mahomet est accompagné du neveu de Khadija qui s'appelle Kuzamat et d'un esclave de sa patronne nommé Maïs Sarat. La caravane traverse de nouveau Bosra. Le moine chrétien Baïra est mort, dans sa cellule vit un autre moine qui s'appelle Nestorius, qu'il soit manichéen ou non, Nestorius explique à Mahomet, comme son prédécesseur, que Dieu n'est pas la propriété exclusive d'une race ou d'un peuple, ainsi que le prétendent les juifs, et que Dieu se montre au saint homme de toutes les nationalités et sous toutes les latitudes. Les hommes peuvent accordés à la sainteté, même s'ils ne sont ni juifs ni chrétiens, même s'ils sont de couleur jaune, rouge ou noire, japonais ou indien, il lui dit que même les Arabes peuvent écouter Dieu et que même parmi les Arabes peut apparaître un prophète. Donc pour son voyage, Mahomet recevra un chameau en guise de salaire. Ce n'est pas un gros salaire, un chameau vaut en ce temps-là 400 dirhams. Un esclave entre 200 et 800 dirhams, un mouton 40 dirhams, une lance 4 dirhams et un palanquin que l'on pose sur le chameau coûte 13 dirhams environ. Donc Mahomet est content de son salaire et la Tajira, la marchande, est contente des services de Mahomet. Mahomet est donc envoyé aussitôt avec les caravanes suivantes qui vont dans d'autres foires. Donc c'est intéressant de voir les rapports justement que Mahomet entretient avec Khadija, donc qui est une notable, hein, qui est une Quraysh elle aussi, et qui est une, semble-t-il, et qui est une dignitaire aussi de la Mecque, une des femmes les plus riches de la Mecque, hein, les plus prospères de la Mecque. Donc Virgile Georgiou nous décrit Mahomet comme étant un bel homme. Tout d'abord, il a de beaux yeux,
Grand, noir, intelligent, sa vue est perçante, il peut compter 12 étoiles de la constellation de la Pléiade. Il aime beaucoup ses yeux, il est fier et les soigne en les oignant de colle et de collyre à l'antimoine. Il est de taille moyenne, il n'est ni grand ni petit, il a les cheveux noirs, abondants, lisses, qu'il porte longs sur les épaules, une barbe bien fournie, noire et touffue, il soigne avec une attention particulière ses cheveux et sa barbe en les parfumant selon la mode du temps. La sueur de son front se détachait en perles dont le parfum était plus doux que le musc. Ses cheveux sont longs comme ceux de Jésus, mais Mahomet les porte séparés en deux par une raie à la mode arabe. Son teint est blanc, sa bouche et ses dents brillantes ressemblaient à des perles dans une boîte de rubis. La tête a une ossature puissante, le front est haut et le nez aquilin. Il avait les paumes pleines et la plante des pieds ne présentait pas de creux, à tel point qu'elle laissait sur la terre une trace uniforme. De quoi l'on peut déduire que Mahomet a l'habitude de marcher comme les autres Arabes pauvres, pieds nus. Sa voix est claire et douce. Il parle si lentement qu'on pouvait compter les lettres des mots qu'il prononçait. Il a le buste très long par rapport au reste du corps, de sorte qu'il semble bien plus grand que les autres hommes lorsqu'il est assis à table à côté d'eux. Mahomet marche très vite, comme s'il descendait une pente. Il était beau comme la lune de la 14e nuit. Khadija, la marchande, veuve, sa patronne, en le regardant du haut du balcon de sa belle maison, le trouve à son goût et décide de l'épouser. Si elle réussit, Mahomet est délivré de la pauvreté. Dans sa vie, il y aura l'abondance, il y aura le rubis, comme disent les bédouins nomades, lorsque tombe la pluie et lorsqu'il pousse un peu d'herbe dans le désert après les raisons terribles de sécheresse et de famine. Alors, je poursuis. Ça, c'est sur sa vie, hein. Toutefois, le mariage de Khadija et de Mahomet n'est pas chose si simple. Entre eux, il y a quand même des différences. En premier lieu, c'est la différence d'âge. Elle a 40 ans et lui 25. Il a ensuite la différence sociale. Khadija est très riche et Mahomet est très pauvre. Le clan de Khadija s'opposera donc avec acharnement à ce mariage. De plus, malgré toutes les avances que lui fait la riche veuve, Mahomet ne comprend pas que Khadija le souhaite pour époux. Le premier qui parle à Mahomet de ce mariage est l'esclave Maïsarat, son compagnon de caravane, qui lui demande ce qu'il penserait d'un éventuel mariage avec Khadija. Donc Mahomet rit, prenant cette question pour une plaisanterie. Il n'y a rien de commun entre la patronne et son employé. D'ailleurs, Khadija n'est-elle pas demandée en mariage presque journellement par des négociants de la Mecque riches et en vue? Ni les avances de Khadija, ni les questions de Maïsarat ne servent à rien. Tajira, c'est-à-dire la marchande, dépêche alors auprès de Mahomet une femme nommée Nufessa, avec mission de lui dire explicitement qu'elle le veut pour mari, car Mahomet ne comprend pas et Nufessa est une Mouwalada, c'est-à-dire une femme dont les parents ne sont pas arabes. Elle peut se permettre de remplir des offices qu'une femme née de parents arabes n'accepterait pas. C'est une molate, une étrangère. C'est une kahina, une sorcière. Avec la liberté conférée par cette absence d'état civil, Nofeissa aborde Mahomet dans la rue et lui parle de façon plutôt claire. Elle attire son attention sur le fait qu'il est beau et sérieux, qu'il est travailleur et jeune, avantages et mérites qui peuvent inciter n'importe quelle femme à tomber amoureuse de lui. Elle demande donc à Mahomet pourquoi il ne se marie pas. Il répond qu'il est trop pauvre pour la prendre pour épouse. Le peu qu'il gagne, il le destine à Abu Talib, son oncle, et à sa famille, qui l'ont élevé depuis l'âge de 8 ans et qui se trouve dans une d'ailleurs grande misère. Nufeissa prononce le nom de Khadija. Il dit que si Mahomet est d'accord, Khadija le prend immédiatement pour époux. Et donc Mahomet reste sceptique. Il consulte Khadija. Celle-ci confirme les dires de Nufeissa.
On fixe finalement la date du mariage, mais la loi arabe exige, outre le consentement des intéressés mariés hommes et mariés femmes, le consentement des clans dont ils font partie. Le père de Khadija est mort dans la guerre de profanation, la Fijar. Le chef de la famille Assad se nomme Amir ibn Assad. Son consentement semble une formalité, Khadija étant une femme d'âge mûr. On ne peut pas passer outre à cette formalité. Le consentement doit être obtenu de façon officielle devant témoins comme le vieux Amir, hein, chef du clan de Khadija, qui refuse son accord au mariage. On a recours à un stratagème. Les deux familles, celle de Mahomet et celle de Khadija, sont conviées à un festin, bien sûr. La famille de Mahomet est représentée par Hamza et par Abu Talib. Au cours du repas, on enivre le vieux Amir ibn Assad et quand il est complètement gris, on demande son consentement au mariage, il le donne bien sûr, et lorsqu'il sort de son ivresse, le mariage a eu lieu, le vieillard proteste, mais c'est trop tard. Amir vit que Khadija ne voulait céder en rien, il crut devoir se taire et laisser le mari emmener sa femme chez lui. Le marié est obligé de payer à la mariée une dot nommée le mahr. Mahomet paye à Khadija, selon ses modestes possibilités, la somme de 500 dirhams. Avec cette somme, 12 onces d'argent et 500 dirhams, on ne pouvait même pas acheter de chameau. À cause de cela, les historiographes ont grossi la dot payée par le prophète et l'ont portée à 20 chameaux. Parmi les autres invités de la noce se trouvait aussi Halima, la nourrice de Mahomet, qui l'a allaitée dans le désert. Elle reçoit de Khadija en guise de cadeau plusieurs chameaux et Halima reviendra à la Mecque chaque fois qu'elle sera dans la misère. Parmi les cadeaux qu'elle recevra de son fils de lait, on mentionne 40 moutons et un chameau avec lequel elle retourne dans le désert où elle a élevé Mahomet. La générosité et la fidélité envers ceux qui l'ont aidée dans l'adversité sont les traits essentiels de Mahomet. Il n'est jamais resté redevable à qui que ce soit parmi ceux qui lui ont tendu une main secourable lorsqu'il était dans la misère. Peu de temps après son mariage, il adopte Ali, fils d'Abu Talib. Il libère un jeune esclave que lui a offert Khadija et qui s'appelle Ziyad ibn Harita. Non seulement Mahomet offre la liberté à cet esclave, qui est un chrétien de Syrie, mais il l'adopte. Et lorsque les parents de Ziyad apprennent que leur fils est en vie, ils viennent à la Mecque, mais Ziyad refuse de retourner dans sa famille. Il reste avec Mahomet. Il s'en explique à son père et il dit: J'ai vu en mon maître, c'est-à-dire en Mahomet, quelque chose qui me fait le préférer à vous à jamais. Grâce à Khadija, Mahomet est sorti de la misère. Mais il veut aider les autres à sortir aussi d'ailleurs de cette pauvreté, et comme Dieu l'a fait pour lui, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Il t'a donné un abri, et il t'a trouvé errant, il t'a donné un guide, il t'a trouvé pauvre, il t'a enrichi. Voilà. Ouais, c'est en fait je trouve ça passionnant justement de voir que bah ça démystifie justement un peu le personnage. On voit qu'il y a une véritable histoire de vie derrière, même une histoire complexe. À un moment où bah ils font boire un mec pour obtenir son consentement au mariage. Il y a comme une forme de manipulation. Ça fait un peu penser aux tragédies grecques, tu vois, où c'est toujours de grandes histoires avec beaucoup d'amour au milieu et parfois aussi certaines manipulations. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça fort intéressant et ouais, je pense que c'est au moins un bouquin là, qui a le mérite d'être lu, ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour voir que ben derrière, hein, on a beau essayer de mystifier au maximum ces personnages, ces prophètes, et bien derrière le personnage de Mohamed, il y a un homme avec une histoire, avec des aventures. Derrière le personnage de Jésus aussi, c'était quand même des êtres incarnés. Donc ben évidemment qu'ils vivaient, ils ont été confrontés eux aussi dans leur vie à des choses comme on a pu être confrontés nous. Donc je trouve ça super intéressant en tout cas de revoir les choses sous cet angle-là. On a encore une bonne dizaine de minutes, je te laisse poursuivre, Maximus. Oui, bah, dans ce cas-là, oui, si on n'a que 10 minutes, je vais quand même essayer d'aller à la fondation de l'islam, quand même. Donc, où ça commence, bah, c'est après la rencontre avec l'ange dans la grotte d'Hira sur le Jabar al-Nur, la montagne de lumière. Mahomet est abandonné et il a pendant un certain temps, c'est-à-dire un fatra, un trou dans la révélation du prophète, où il était d'ailleurs assez triste d'ailleurs de ça.
Donc, il partait de plutôt bonne heure pour les sommets de la montagne avec l'intention de se précipiter en bas, mais chaque fois qu'il parvenait au sommet de la montagne, l'ange Gabriel lui apparaissait et lui disait écoute, Mohamed, voilà, tu es le prophète de Dieu. Ainsi, son inquiétude cessait et son moi revenait à lui. Donc, l'ange Gabriel donne du courage à Mahomet pendant 3 ans, le temps que dura le fatras, c'est-à-dire le trou dans les révélations. Et l'ange dira enfin à Mahomet, ton Seigneur te donnera beaucoup et tu seras satisfait. Ne te trouva-t-il point orphelin si bien qu'il te donna un refuge? Ne te trouve-t-il pas égaré si bien qu'il te guide? Ne te trouve-t-il pas pauvre si bien qu'il t'enrichit? Ne brime pas l'orphelin, ne repousse pas le mendiant et du bienfait de ton Seigneur parle à autrui et voilà. Tu vois? Donc il y a, moi je trouve que dans ce livre, il y a une ambiance et vous rentrez véritablement dans la peau des personnages de la Mecque et tout est portraitisé. Donc, en fait, vous savez parfaitement qui est, en fait, et comment, en fait, le prophète peut s'inscrire lui-même dans une historiographie, en fait, qui, certes, n'est pas celle de Jésus ou celle des chrétiens, mais c'est une historiographie quand même. Et après tout, ça peut être bon de la connaître. Et Donc, par rapport à ça tout à l'heure, c'est donc la riche, elle s'appelle Khadija, c'est ça? c'est Khadija, c'était une riche veuve de la Mecque qui a épousé Mahomet. Alors là, on D'accord, nous mais parle. au début, tout au début, leur relation, c'est en fait lui, il est commerçant, c'est ça, et elle lui achète des produits. Non, c'est elle qui est commerçante et en fait, il travaille pour elle, en fait. D'accord. Il est son employé. Donc, si tu veux, dans ce que nous dit Virgile Giorgio, c'est que, en fait, lui, pour lui, c'est sa patronne. Donc, quand il apprend qu'elle veut l'épouser, pour lui, c'est dissonant, si tu veux, parce qu'il se dit, ben, moi, je suis l'employé, je suis pauvre, elle est riche, c'est ma patronne. Comment elle peut vouloir avoir envie de m'épouser? Or, c'est bien ce qui se passe, en fait, tu vois. Alors après, il y a des gens qui disent, bon, Mahomet était illettré. Est-ce que Khadija aurait confié sa fortune à un illettré? Je pense que c'est plus complexe que ça, parce que est-ce que c'est l'illettrisme tel qu'on le voit nous au XXe siècle, ou c'est simplement qu'il lui manquait quelques rudiments qu'il avait besoin d'apprendre? On n'est pas dans le même contexte, il ne faut pas faire d'anachronisme et pas parler d'illettrisme comme nous on pourrait en parler aujourd'hui. Je pense que c'est pas du tout la même chose, quoi. Ouais, c'était peut-être ouais, justement soit une forme de d'initiation ou de ouais, ou peut-être Ce qu'on comment appelle dire la formation, ce qu'on appelait avant la formation sur le tas, hein. Je pense que c'est peut-être ouais. ça aussi qui lui manquait. Il connaissait peut-être pas les rudiments du commerce et donc il avait besoin d'être formé là-dessus. Et je pense que quand on parle d'illettrisme, je pense que c'est plutôt ça en fait. Je pense que c'est peut-être par rapport au livre de la tenue des livres des livres de comptes, etc. C'est peut-être plus dans ce sens-là. Ah, y a Maison Ancienne qui dit Mohamed était une sorte de commercial de l'entreprise de Khadija, en fait. Et ouais, on voit d'ailleurs dans la liste que tu énumères au début, bah, il y a du commerce de moutons, il y a évidemment des légumes, tout ça, mais il y a aussi des esclaves. Donc voilà, tout ça, c'est tout un univers. Et on peut se poser la question, est-ce que pour Khadija, Mohamed aurait fait du commerce d'esclaves, on va dire, dès ses 25 ans? Tu as une réponse peut-être à ça, Maximus? Bah après, le commerce d'esclaves, tu sais, dans l'Antiquité, ça se pratiquait partout, T'as répondu, ouais. pas forcément que en terre d'islam, où je crois que ça se pratiquait en Afrique, ça se pratiquait en Europe, je crois que ça se pratiquait Ouais, partout, il y avait c'était des extrêmement conquêtes et répandu, ouais. des. Oui, bah partout il y avait des gens, des tribus ou des clans à soumettre, ça finissait par des captifs qui étaient revendus comme esclaves. Donc c'est pas simplement, je pense, le fait de cette société-là. Je crois que c'était quelque chose qui était très élargi. Faut pas oublier qu'on est quand même bon après on est en 600 puis en 600 622 c'est la naissance de Mahomet. On est dans les années Bah, il y a tout simplement 1400 ans, quoi, donc approximativement. Donc l'esclavage, vous savez, ça existe encore, même aujourd'hui, hein, l'esclavage moderne, ça existe, sauf qu'ils ont appelé ça le salariat, c'est tout. C'est clair. C'est tout. Voilà, Faut travailler, allez. c'est tout. Donc imaginez effectivement 1400 ans en arrière ce que ça pouvait être je dirais, dans toutes les sociétés. Hein. Dans toutes les sociétés, même les plus dites les plus avancées, il y avait quand même des gens qui étaient
esclaves qui étaient au service de gens puissants, c'est tout. L'esclave, Ouais. c'était ça, hein. C'était quelqu'un qui était au service de quelqu'un de plus puissant que lui, c'est tout. Comme nous Aujourd'hui, aujourd'hui. ouais, aujourd'hui, on peut choisir, nous dit-on, son travail, mais bah, quand on regarde ça, en fait, nous sommes toujours esclaves, on nous demande juste de choisir nos chaînes, c'est tout. Exactement. Exactement. Voilà, donc alors après on peut. Mais le mieux quand même pour bien se rendre compte du comme je dis, hein, de l'ambiance et de ce qui se passe, hein, au cœur de ces cités, de ces cités arabes, de cette Mecque, de ces Quraysh, justement, de ces personnages comme Abu Talib, ou Khadija, ou d'autres, hein, ou même ne serait-ce que les rapports justement de Mahomet avec les interactions avec les autres tribus. Je crois qu'il faut rentrer dans l'ouvrage et il faut rentrer dedans parce que vous êtes, une fois que vous êtes dans le contexte, il y a des choses qui vous paraissent pas aussi bizarres que ça parce que on se dit c'est naturel. C'est dans ce contexte-là, je vois pas trop comment ça peut se passer autrement, quoi. Donc, toutes ces histoires avec des femmes. Alors, Khadija, pourquoi elle était veuve? Moi, je ne sais pas. Pourquoi? Qui était? D'ailleurs, on ne sait pas qui était le mari de Khadija. Et si à la base c'était pas le mari qui était le commerçant et puis elle a repris le commerce, bah ça là-dessus j'ai pas d'éléments là-dessus donc je ne sais pas, mais ce serait intéressant de quand même de revenir là-dessus quoi. Ouais, bah, il nous reste 5 minutes, hein, bah, si tu veux conclure sur cet ouvrage, Maximus. Et puis, comme je vous l'ai dit, de toute façon, on se retrouvera samedi pour un journal ouf. Donc, quels sont les derniers mots que tu pourrais nous dire justement pour donner l'envie aux gens de se procurer et de lire ce livre? Bah, moi, je dis que si on veut s'immerger dans quelque chose qui nous est pas forcément commun ou familier, qui ouvre des dimensions sur quelque chose qui pourrait nous être un peu qui est différent de ce qu'on connaît, qui est différent de notre approche, mais qui reste passionnant. Je crois que c'est un livre vraiment à lire. En plus, je trouve que la saison s'y prête. On est dans des fortes chaleurs et pour vraiment un petit peu épouser véritablement l'état d'esprit de tous ces Mécois, de tous ces Bédouins, ces commerçants dans le désert. On est dans la bonne période pour le lire et une fois qu'on est pris dedans, on a envie d'avoir sa petite collation bien fraîche pour boire à chaque page parce que c'est un livre qui donne chaud en fait. voilà, c'est une manière un petit peu là de ça devient un peu un livre interactif. Voilà, faut les lire à ce moment-là pendant qu'il fait chaud et puis Oui, parce que si vous le lisez l'hiver, ça va pas, le rendu, ça va pas être pareil. voilà. Il faut le Il y a lire un côté réalité virtuelle du coup là. Oui, vous aurez envie d'avoir le petit verre de menthe avec les glaçons, juste pendant que vous le lisez, parce que c'est vraiment ça, quoi. On est dedans. On est vraiment dedans. Moi, j'avais l'impression d'y être, hein. J'avais l'impression de vivre à la Mecque, quoi. Donc, c'est vraiment un sacré bouquin. C'est assez bien écrit, moi, je trouve. Après, je sais pas trop, dans les autres éditions comment ça se présente. Mais, qu'on soit chrétien ou musulman, ça permet de se replonger dans de certaines choses, quoi. Bah, je te remercie Maximus pour ce conseil de lecture. Moi, je me suis arrêté pendant 15 jours. Hein. Je crois que le dernier direct, c'était le direct avec. Bah non, c'était pas celui avec Pierre Hillard. Bah, d'ailleurs, il a été striké. Hein. Il y a eu un direct qui a été striké. C'est celui avec Johan Livernet. Alors, on a dit un truc sur YouTube qu'il faut pas dire. On a dit. Ah bah non, du coup, je vais pas le dire, vu qu'on peut pas le dire et qu'on est encore sur YouTube. Mais bon, voilà, on a parlé de ce dont il ne faut pas parler et vraiment très brièvement. C'était une toute petite phrase. Et bien, malgré tout, YouTube, ils ont sauté un direct de 3 heures comme ça que vous allez bientôt pouvoir retrouver sur Odyssée. Et pour l'instant, vous pouvez encore le trouver dans l'onglet replay sur des lives. Comme je vous disais, ouais, j'ai pris 15 jours, presque 3 semaines de repos. Et évidemment, ben, dans notre activité, il n'y a pas de congé payé, quoi. Il y en a quelques-uns qui ont continué à me soutenir et je vous en remercie pendant que je me suis arrêté. Et, ben, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, il y a dans l'onglet Tipeee, enfin, je dis soutenir la
la chaîne, en fait, pour ceux qui veulent me soutenir, moi, parce que j'ai pas d'autres revenus, en fait, que ce que vous m'envoyez. Donc, pour ceux qui veulent soutenir et le travail qu'on fait et la chaîne, eh bien, vous pouvez envoyer ça en trouvant le lien vers Tipeee dans le descriptif ou dans l'onglet About sur des lives. On va se retrouver samedi. Là, je vous tiendrai un petit peu au courant de ce qui se passe sur les routes. Et je vais quand même, si vous avez l'occasion, aller sur la chaîne Ordinary avec tes camarades Wilson, de Zied, justement, qui essaye de créer des passerelles, des ponts. Aller sur la chaîne de Zied, Radio Principe, qui écouter cet échange avec Henri de Lesquin. Donc, il faut créer des passerelles. Ça ne sert à rien de rester chacun, lui, dans sa mosquée et toi dans ton église, etc. Donc, il faut créer des passerelles. Ça ne veut pas dire qu'on pratique un syncrétisme. Il n'y a pas de syncrétisme. C'est simplement qu'à un moment donné, il y a une certaine urgence, une certaine nécessité. Et je crois que ce dialogue, il faut l'ouvrir, c'est tout. Et je crois que c'est un livre qui aide à ouvrir le dialogue parce qu'il n'est pas à charge. Après, ceux qui pensent que bon bah l'islam, ils ont une vision zémouriste de ce qu'est l'islam, je pense que c'est dommage dans un contexte où on a plus besoin de vraiment désigner l'ennemi. Et David Berébi là qui est dans le chat, bah, j'ai envie de lui dire quid des Palestiniens, David, comment ça se passe pour eux, David, les Palestiniens, ils sont heureux là-bas en ce moment? J'ai pas tellement l'impression. Donc, à un moment donné, il faut aussi remettre les choses en contexte. Voilà. Donc, je rappelle quand même que pour les gens qui ont tendance à jeter de l'huile sur le feu, ceux qui cherchent à nous injecter une substance, regardez les noms qu'ils ont. Ouais. Après, ça, je vous dis, tout ça, on en parlera. Gardez leur nom aussi. Je vois peu de Fatima, je vois peu de Mohamed, je vois peu de Salim. Je vois plus Salomon que Salim, mais bon. Bon, je dis ça, je dis rien. Ça c'était pour David Berébi, quoi. Comme je disais, ça, on en parlera samedi, d'autant plus que je sais enfin ce qui est devenu mon doigt. Donc ça, on en parlera samedi, vous allez voir, il se passe des choses en ce moment, attention, hein, je vous ai dit, attention, samedi, les ordinateurs, ils peuvent un peu surchauffer, donc ventilez bien la pièce, puis surtout à cause du Covid, il revient en force. Ça, pareil, on en parlera samedi. Et quoi qu'on en dise, même si avec les musulmans, on peut s'opposer sur le plan doctrinal et sur la prière et sur la conception de Dieu, il n'en demeure pas moins que les musulmans ne sont pas les ennemis de l'humanité. Voilà. Moi, je vois que ceux qui font du transhumanisme, ouais, ceux qui veulent... Bon, on va se laisser là pour aujourd'hui. Désolé, il y a un petit peu de bruit derrière parce que je suis posé sur un parking dans Croquette et en fait, il y a un troupeau d'enfants qui est en train de passer là derrière. Donc, okay. Ça fait un petit peu de bruit. Je te remercie, Maximus. Je te laisse dire au revoir aux gens. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous, on se retrouvera samedi avec plein de choses. Et je dirais, pour terminer, je dirais à David Berébi, les transhumanistes ne sont pas musulmans. Voilà. Je pense qu'on va être bien, là, une fois qu'on a dit ça. Mais reviens samedi, David. Tu verras que je suis plus légitime que toi. Tu verras. Voilà. On va se marrer samedi. Voilà. Allez, donc merci, un bon voyage avec ce livre, en tout cas. Un bon voyage en Arabie et du côté de la Mecque. Lisez ce livre et puis vous verrez, vous allez voyager. Ça va vous changer la vie. Merci à vous, les amis. Que Dieu vous garde, comme j'aime le dire. Oui, je décroche. Merci Maximus, toi aussi. Et puis à la semaine prochaine. Profite bien, pareil, de ce beau temps aussi. Comme je vous le disais, on se retrouve samedi soir, 21h, pour le journal Où. J'espère que vous m'entendez bien, là, parce que je vois que le réseau n'est pas très bon. C'est un petit peu l'aventure en ce moment. Et tant mieux, parce que j'en avais besoin. J'en dirai peut-être un peu plus samedi, mais bon, non, en fait, je vous en dirai pas plus. C'est ma vie privée. Il s'est passé des trucs, bref, et puis ça, il y a eu quelques bouleversements dernièrement.
Et c'est pour ça que j'avais pris une semaine de plus. J'avais préparé un journal ou hein, pour samedi dernier. Et puis au dernier moment, bah, j'ai pas pu le faire. Donc vous m'avez manqué aussi. Et j'ai vu tous vos petits messages gentils, tous vos petits messages de soutien dans le clavardier sur des lives. Alors je laisse pas de messages, mais parfois je passe, je regarde, je vois, je vous observe. Et puis ça réchauffe le cœur. Voilà, merci à tous vraiment. Et je vous tiens au courant. Je vous tiens un petit peu au courant de tout ce qui se passe. Mais samedi, on va traiter l'info, mais j'ai envie de revenir à l'essence même du journal ou quoi, et puis voilà, aborder des sujets sérieux, mais avec dérision, et puis qu'on se marre ensemble, et puis voilà, c'est mes petites surprises. J'ai déjà préparé pas mal de trucs, j'ai eu le temps là. Allez, gros bisous à tous, prenez soin de vous, et puis on se retrouve samedi soir, 21h. Je cherche mon générique, je suis plus au point, faut que je ressorte des vacances. Merci à Sayoska pour la modération aussi, pour un retour de vacances là. Le thème, je savais que le thème, il y a des gens qui allaient arriver forcément, qu'il y en a quelques-uns qui allaient se déchaîner par rapport à leurs convictions profondes et personnelles évidemment. Ça a été un retour sportif, on va dire. Merci Sayoska pour la modération. Et merci à tous et prenez soin de vous. Et cette fois-ci, j'ai trouvé mon générique de fin. Donc c'est parti. Allez, ciao, à samedi. Arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. Les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. C'est toute la différence.